Bon, moi, j'ai fait un uniforme, mais ça a été un uniforme.
comme peut-être 450 $, il t'a pris pour 500 $. Pour moi, il faut dire beaucoup calme. La dame n'a pas de l'aide, beaucoup calme. Et rentrer l'école là, qui t'a payé tout la. Non, il n'y a pas de payer. Bon, il y a 450 $. Mal pour nous, beaucoup calme. Madame, soit formule en demande avec mon capitaine. Qui sont des exactement? Madame, je vous aider, dans l'école si vous. Et puis, pour les jeunes moyens, pour me caler dans mon bagage, pour me faire un petit business. Parce que je suis un peu de la rue écrasée, je me caler dans mon boss, je vais faire un rejet sous des rangées, et puis je prends la rue. Et si vous avez un message à passer avec M. Nazon, qui n'est pas trop occupé, nous vivons là, c'est qui ça le gars? Je vais vous dire que je suis un peu plus jeune, je suis capable de m'aider. Merci. Merci. On a le mal passe. On a lâché le tabac tout pendant que je suis venu à sucre, à batka, et du côté ça, toi, loin pour moi, on a le tabac. Et bien qu'on y a, tu comprends que je suis passé, moi prêté. Depuis l'hôpital là, je ne sais pas, je me fais calme. Pas le coup y a là. Moi, je suis venu à la première fois. Bonjour là, moi passe en haut, mon aide qui m'a quitté. Et puis, je suis seul pour prendre les leçons, je suis tombé 10 pieds de là, derrière nos barrières. Donc, il y a la présence de sécurité. Bon, petite dame qui prend un bâton quand même, là, elle prend un bâton. Et puis, il commence à battre quelques coups de bâton. Et puis, elle balle beaucoup de poids dans ses pieds. Elle court, elle fait monter. Et puis, après les ça, moi, je suis venu, pas venu dans la radio. Mal dans CAS. D'abord, si vous êtes dans le directeur. Oui, maintenant, là, nous sommes présents là qui est objectif. Bonjour, je suis le capitaine. Allez, plus fort. Bonjour, non, Pam, c'est Pierre Seval Christelle, secrétaire groupe de Rival Recyclage. De Rival Recyclage, c'est une association qui a un partenariat avec CMFP. CMFP. Qui est manager nous, Mme Christinette Saint-Georges. De Rival Recyclage, nous avons 7 années pour la recycler des déchets plastiques transformés en matière utile pour que nous fassions baler, nous fassions panier, nous fassions valiser à sachet d'eau, nous fassions adoquer avec des déchets plastiques. Je dis, nous sommes présents là pour lancer une campagne de sensibilisation de nettoyage à Oana maintenant, ville Oana maintenant, du 15 octobre. Au 17 octobre, si Dieu veut. Peut-être que nous avons un matériel qui est disponible qui est poubelle, balé, mais nous manquons 3 douzaines de pelles, 3 douzaines de bouettes, 3 douzaines de râteaux pour travailler dans le cadre de fond. Il y a des gens qui veulent supporter nous au niveau de la diaspora, de l'organisation, de l'association, qui est capable de contacter nous sur le numéro de service 509-38-71-57-90. Côté que là nous finissons de faire nettoyer ça, nous avons tout fait une sorte de formation pour les gens qui veulent apprendre, faire parler, faire panier, faire salon, faire adoquer. Nous sommes capables de participer à notre formation. Côté de ça, de sortir pour nous porter au Wanano. De Rival Recyclage, cette année, côté n'a recyclé des déchets plastiques transformés en matière utile. Côté de ça sorti, parce que je ne j'ai dit, allez nous garder tous 10 départements pays d'Haïti, c'est Fatra. N'a marché sous Fatra, n'a boué sous Fatra, n'a fait politique sous Fatra, et parfois ça nous utilise, nous dit qui c'est Fatra. Pour nous même dans CMFP, yol pa yol, passé pour Haïti, de Rival Recyclage, les n'a gardé portail, les organes, les n'a gardé Kafourita, nous presque ouais, c'est déchets plastiques ça yo, et styrofoam ça yo, qui cause canalisation au boucher. Cause inondation parce que là nous visiter plusieurs autres pays, nous est l'autre pays au propre, au belle. Pourquoi pas en Haïti nous pas 5% jeunes qui recyclent des déchets plastiques transformés en matière utile. Année ça nous commencer après nous d'aller Wanamet, nous d'aller support nous contribution par nous dans canal là. Même groupe dans ville Wanamet jeunes que nous fait séminaire déjà, yo dit PDG pour ça nous pas font campagne de sensibilisation de nettoyage. Dans la ville Wanamet, parce que quand il y a des diaspora qui descendent, la ville la salle n'est pas en état, n'est pas en bon état. Nous, elle, accentuer que nous finissons à parler avec Mme Jeannou, qui c'est Mme Christelle Saint-Georges. Nous, elle,
bon pour nous aller le 15, le 17, pour nous faire campagne de sensibilisation de nettoyage là. Et en même temps, nous faire campagne de sensibilisation de nettoyage là, nous pourrons faire une séance de formation côté jeunes capables de recycler des déchets plastiques transformés en matière utile. Côté capables de faire adoquin avec déchets plastiques. Il y a continué faire balayer avec déchets plastiques. Il y a continué faire panier avec déchets plastiques. Sans façon pour nous garder avant 2034 si nous capables de diminuer déchets plastiques à 68% qui a problème au sein de la communauté haïtienne. Parce que tout au cap pour Anabet Jérémy, pour Jacques, tout côté Sefatra, nous-mêmes dans CMFP de Rivalisclay, rêve nous, vision nous, c'est sensibiliser 300 000 jeunes avant 2034 pour nous gagner. On circule dans tous les départements pays d'Haïti côté à recycler des déchets plastiques et transformer en matière utile. Pour qui ça c'est Wanamet nous viser? Nous commençons à Nissa Wanamet, mais c'est pas seulement Wanamet, c'est Kouriel Chavane qui a regardé n'importe où Prince Den, Mabit son ville. Nous toujours là c'est campagne de sensibilisation de nettoyage. Mais après nous visiter canal là pour nous garder l'état ville Wanamet, nous commençons du 15 au 17 jusqu'à 10 décembre. Que de nous aller Gonaïves, Saint-Marc, Jacmel, Marigot au Cap, parce que nous avons 100 paniers qui sont disponibles dans le comité staff de Rivalisclay, 100 balais, nous juste seulement besoin qu'on ait 3 douzaines pelles, 3 douzaines bouettes, yon cycliste 3 ou pour plus faciliter pour nous ramasser des déchets plastiques dans la ville Wanamet et puis nous mettons dans le circuit. Après, nous prenons pour nous faire une séance de formation avec même Patria Sayo, avec jeunes, côté Saka Fête Adoquin. Ça crase yo, déchets plastiques crase yo, n'a fait panier, n'a fait balai, n'a fait rideau, n'a fait valise à chercher de l'eau. C'est une façon pour nous, ouais, qui jeune nous capable de mettre tête nous ensemble au sein de la communauté haïtienne. Parce que là, nous gardons le gouvernement, nous qui disons que les dirigeants ne peuvent pas prendre cette responsabilité. Parce que dès que ça va visiter le pays à l'étranger, matin, midi, soir, voyager, garder ta pays, garder ta pays d'Haïti, et bien forcément, chaque éco-citoyen ou monde qui est au niveau du diaspora qui dit ah nous pas besoin d'Haïti encore nous pas venir Haïti nous pas nous mentir parce que là nous gros monde qui mourir qui cher pour nous qui bon à venir c'est sous Patria na vie et si qu'un jeune association organisation CMF payol pas de rival recyclage capable juste seulement nous gétant gè tout panier qui disponible et ça fait nous lancer message avec la presse parler écrit télévisé nous remercier nous pour nous ba nous feu vert pour nous le monde entier montrer que gè plus jeune en Haïti qui fait plus travail qui positif. Et pas seulement violence, seulement caprichée. Au niveau de l'agriculture, au niveau au pays, pas marcher sans sécurité, sans éducation, sans électricité. Mais j'espère pas me compter et ou même et j'espère pas me compter et ou même la presse parle, écrit télévisé qui est en fait travail, qui est en montre le monde entier qui s'apprête à le faire dans tous 10 départements pays d'Haïti, campagne de sensibilisation du nettoyage parce que nous pas qu'à marcher sous Fatra, nous pas qu'à boire sous Fatra, nous pas qu'à dormir sous Fatra, nous pas qu'à faire politique sous Fatra. Nous même dans CMFP, nous même dans Dorival Recyclage, nous là, nous présents, oublie pas nous en douzaine pelle, en douzaine bouette, yon cycliste 3 roues pour nous capables de continuer à avancer avec le travail là parce que rêve nous c'est mettre en succursale et former des jeunes dans tous 10 départements pays d'Haïti avec le travail que nous faisons. Si on monde c'est que nous allons chercher Wanamet, parce que nous connaissons un canal en construction et tout projet fixé Wanamet. Et comment nous t'apprenons une telle déclaration? Premier lancement, campagne de sensibilisation du nettoyage pour l'année 2023 jusqu'à 10 décembre, nous pas fixé sur Wanamet. C'est après nous, fin by support nous, contribution nous CMFP, Yol, Payon, le principal Haïti de Rival Recyclage. Même groupe jeune ça on a Wanamet que nous faisons séance de formation pour yo tiens à ce que campagne de sensibilisation de nettoyage à Anissa doit continuer dans ville Wanamet après pour nous rentrer au Cap pour nous rentrer Jamel pour nous prendre tout 10 départements pays d'Haïti ramasser Fatra et encore pour nous recycler Fatra parce que nous gagnons en Afrique du Sud donc 56% de déchets plastiques à recycler chaque jour. Canada gagne 27% de déchets plastiques à recycler chaque jour. En République Dominicaine gagne 15% de déchets plastiques à recycler chaque jour. Pourquoi pas en Haïti nous pas 7% jeunes qui recycler des déchets plastiques transformés en matière utile. Est-ce que parce que jeunes nous pas gagne volonté? Oui nous là nous gagne volonté nous présent mais nous pas joindre éco-citoyens vraiment qui comprennent le travail que n'a fait au sein de la communauté, ça fait matin nous remercier la presse par l'écrit télévisé qui baille le monde entier. Vraiment que grand pile jeune en Haïti qui a fait un pile travail qui est positif et pas seulement violence, seulement zak, seulement que nous-mêmes, nous là, nous compter et nous penser avec médias en ligne, travail ça capable d'arriver et avant 2034, nous capable de 68% de chez plastique à recycler dans tous 10 départements pays d'Haïti. On nous regardons notre question, non? Et insécurité, on est partout et puis.
vision pour nous visiter ou bien faire tous 10 départements et comment nous pouvons essayer d'attaquer les zones ou bien provinces côté des bandes armées qui a fait la paix de bout en bout. Bon, je pense que même les gens qui ont mis autour parce que je n'ai pas vraiment de connaissances avancées, je n'ai pas vraiment de médecine en mieux. Et ça fait nous-mêmes dans CMFP de Rival Recyclage, nous choisissons jeunes, métier, dans quel sens? Parce que l'offre ne fait pas ni ça, on fait pas une formation dans nous, ou même on a décidé de faire business, on va pas ni ou, on va aller avec les gens dans la zone de la caillou. Parce que durabilité, nous, c'est pour 6 mois, soit aller là avec il faut 3 mois. Ça veut dire capacité, même déchets plastiques, ça, et déchets plastiques, c'est facile pour nous joindre dans le canal, pour aller au Gad, Delma, tout côté, ces déchets plastiques, ça, même chercher de l'eau ça encore il est facile ou venir tout à temps dans la rue capable recycler ou faire valise avec eux parce que là nous fin faire nous-mêmes c'est pas que ben nous que seulement nous vendre tout à travers les réseaux sociaux l'autre pays mandé nous travail ça que nous fait tout nous-mêmes nous tient à ce que durant du 15 jusqu'à 10 décembre pour nous lancer campagne de sensibilisation de nettoyer ça parce que nous gitan panio là disponible palio là mais seulement 3 douzaines balais, pas qu'à bloquer ce travail ça que nous allons faire au sein de la communauté. Non, et il va seul capital, il va seul ville professionnelle, nous prenons l'abgadie ça capital là. Là, pour tout ça, et lancement en Siwanamet, pour pas commencer dans la capital là, mais l'abgadie ça. Nous prenons faire travail ça déjà à Wanamet, oui, mais gens, citoyens, sautent nous là, avec des problèmes de sécurité, mais. Côté pas tellement gain violence même nous-mêmes nous prêts pour nous déplacer mais nous-mêmes il va chaler pour nous déplacer dans quel que soit département quel que soit zone si une organisation association si une zone qui va nous accès pour nous faire travail que nous avons fait au sein de la communauté. Combien de jeunes qui gagnent pour faire déplacement pour aller Wanamet et la question côté Wanamet maintenant et si toutefois nos jeunes t'avaient bailler tête volontairement. Est-ce qu'il y a un moyen de communication pour les jeunes alités intégrés qui peuvent PCPC pour aller faire service? Combien de jeunes? Dernièrement, nous avons fait un séminaire pour chorégraphe dans la ville au Cap. C'est même jeunes chorégraphes que nous avons fait un séminaire sur le recyclage pour eux. C'est même eux-mêmes qui peuvent supporter nous pour nous faire porter à la ville où on a mis. Il y a 125 jeunes. Même pas toutes 125 jeunes à venir. Ça a une volonté à accompagner le rival recyclage. Et nous-mêmes, nous avons vu qu'il faut pas aller, on a mis qu'il faut aller, mais seulement nous besoin de 3 douzaines de pelles, 3 douzaines de bouettes pour capable de sensibilisation de nettoyage. Nous avons un contact pour si toutefois, nous avons supporté le travail. Il y a un éco-citoyen qui veut supporter le travail que nous avons fait dans le comité de staff de Rival Recyclage. Il y a un paillot qui passe pour Haïti, à Gros 6, qui est dirigé par Jameson Benabé. Le numéro de téléphone, nous, c'est +509 38 71 57 90. +509 38 71 57 90. On a déplacé le 15 dans le matin et puis on a le frappé et puis on nous fait campagne de sensibilisation. Et le 17 octobre, ça, nous allons célébrer la mort de Dessalines. On a célébrer la résurrection de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Merci un peu. Yes. Non possible. Bélizier Morgan, je suis PDG staff de Rival Recyclage. Merci.